Avis. Cette capsule a été produite simultanément en français, en anglais et en espagnol. Notice. This episode was produced simultaneously in French, English and Spanish. Aviso. Este episodio se produjo simultáneamente en inglés, francés y español. Vous visionnez présentement la version française. You are currently watching the French version. Actualmente está viendo la versión en francés. Bonjour et bienvenue au Stéréotypé Castiste. Je suis votre hôte, Paul Godelaudefoy. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui m'a été demandé par un abonné à ma chaîne, lequel jeu est à la fois un classique et un jeu culte, d'une simplicité telle qu'il s'adresse à tous les groupes d'âge. Dans la catégorie stratégie et puzzle, ce jeu est Lemmings de DMA Design, publié originalement pour l'Amiga par Synosis à la Saint-Valentin de 1991. Juste avant de parler du jeu, j'aimerais remercier mes mécènes via Patreon. Si vous souhaitez contribuer, vous êtes les bienvenus. Je dispose aussi d'un groupe Facebook si vous souhaitez vous tenir au courant. En outre, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton Subscribe. À présent, Lemmings. Lemmings est un jeu de puzzles qui implique un peu de stratégie. Il se décline en plusieurs tableaux, 30 par degré de difficulté et 4 degrés de difficulté, donc 120 au total. L'objectif de chacun d'entre eux consiste à faire en sorte que vos lemmings, qui entrent en scène par une trappe au niveau du sol, disons, trouvent leur chemin vers la sortie d'une espèce de grotte souterraine. Le problème, c'est que les lemmings sont niaiseux, épais, sans dessin dans les deux sens de la locution. Ils marchent tout droit jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle qu'ils vont soit escalader s'il est en angle, soit qui va les faire rebrousser chemin, à moins qu'ils plongent vers leur propre mort. C'est donc à vous d'attribuer à certains d'entre eux certaines aptitudes, de manière à en rescaper le plus grand nombre. C'est bien pensé et d'une simplicité efficace. Pour un jeu de 1991, on pige dans des concepts ludiques des années 80, lesquels concepts sont encore en usage aujourd'hui. Toute comparaison gardée, on puise un peu de Choplifter, auquel j'ai beaucoup joué sur mon VIC-20. L'objectif du jeu est de libérer des prisonniers de leurs bunkers respectifs, de les prendre à bord et de les ramener à bon port, tout en évitant les avions et les tanks. Pas de puzzle vraiment, mais le temps est compté en ce que plus longtemps vous restez en zone ennemie, plus vous vous exposez aux avions et aux tanks, justement. Le pointage dépend du nombre de prisonniers que vous parvenez à rescaper. Parmi les jeux d'arcade qui fassent appel aux réflexes et à la prise de décision rapide, on a Tapper, un classique. Dans ce jeu, des assoiffés entrent en scène pour réclamer chacun une bière. Il faut donc leur en servir en nombre exact pour vous en débarrasser. Cependant, certains d'entre eux vont rester, vous exiger une autre bière et vous renvoyer leur chope vide. Assez stressant. Un autre classique parmi les jeux de puzzles et de stratégie consiste en Lode Runner, où vous devez récolter un certain nombre de lingots d'or tout en évitant les ennemis qui vous pourchassent. Dans ce jeu, vous pouvez tirer sur les tuiles en briques qui constituent les plateformes pour y emprisonner vos assaillants. Enfin, en 1989, on a eu droit à Pipe Dream, aussi connu sous le nom de Pipe Mania, développé par The Assembly Line et publié par Lucasfilm Games, ici illustré dans sa version Apple IIe, lequel était alors en déclin. De nouveau, le concept est d'une telle simplicité que le jeu est accessible à tous. Ce qui rajoute au défi, c'est que le temps est compté. Il faut penser vite et faire les choses dans un certain ordre. C'est en cela, notamment, que les jeux à puzzles sont addictifs et qu'on en trouve des clones à la pelletée. Les concepts les plus simples ne signifient pas pour autant que les jeux qui en résultent fussent banals. Tetris consiste, pour moi comme pour d'autres, en un exemple classique et historique.
Quoique, dans certains cas, ça fasse son temps. Autant que j'ai adoré Angry Birds quand il est sorti, à ce point que je l'ai installé sur toutes les tablettes que je possédais à l'époque, autant qu'aujourd'hui, je n'y joue plus. Comme on dit, been there, done that, got the t-shirt. Du côté de Lemmings, il faut rescaper le maximum de Lemmings dans un certain délai, dans un certain ordre et avec des ressources variables, ce qui m'amène à parler de l'interface. Au bas de l'écran se trouve un menu constitué essentiellement d'icônes. Les symboles plus et moins servent pour changer la vitesse à laquelle les Lemmings entrent en scène. Celui-ci permet à un Lemming d'escalader un mur, disons. Celui-ci lui permet d'amortir sa chute en ouvrant un parapluie. Celui-ci le transforme en bombe. Celui-ci le transforme en blocker pour bloquer le flux de Lemmings. Celui-ci lui permet de construire un pont ou un escalier. Celui-ci lui permet de creuser dans le sens horizontal. Celui-ci dans le sens vertical, vers le bas. Celui-ci vers le bas en ligne droite. Enfin, on a un bouton pause, un autre pour tuer tous les lemmings présents à l'écran, ainsi qu'un plan du niveau où l'on se trouve. Juste au-dessus, le tableau signalétique, disons, nous informe de combien de lemmings sont entrés en scène, combien on en a rescapé, et le chronomètre à rebours. Le jeu se joue essentiellement à la souris, quoi qu'on puisse aussi y jouer avec le clavier dans sa version PC roulant sous DOS, ainsi qu'à deux souris en mode deux joueurs sur Amiga, alors que sur ST, un des joueurs doit jouer avec la manette. La difficulté est croissante et le jeu nous informe graduellement de ce qu'il faut faire pour réussir chacun des tableaux. Au début, par exemple, seule l'icône pour creuser est disponible et l'on peut attribuer l'acte de creuser à 10 lemmings, quoiqu'un seul suffise. Pour le second tableau, c'est l'icône du parapluie qui est active et l'on peut attribuer cela à 10 lemmings. Donc, dans les premiers niveaux, ça va de soi et en cela, le jeu est à la fois un PEAP et certainement pas un WDIG. C'est dans les niveaux plus avancés que le jeu devient un WDIG ou un What Do I Do, parce que toutes les icônes deviennent accessibles ou disponibles, mais ça n'est pas toutes qui serviront. C'est là que s'avère utile l'icône Pause pour évaluer une sorte de plan d'action, parce que la résolution des puzzles n'est pas toujours évidente, quoiqu'aujourd'hui ce soit assez bien documenté sur Internet pour qui prend la peine de chercher un peu. À présent qu'on a vu comment y jouer, je vais vous montrer un peu comment le programme fonctionne dans sa version ST. Puisque le jeu est adapté depuis la version Amiga, il a fallu faire des compromis, d'abord dans le nombre de couleurs illustrables en même temps, qui est de 16 sur 512 sur le ST original, quoiqu'on réassigne par moment la palette de couleurs pour en illustrer davantage que 16. C'est à peine notable pour un néophyte et ça ne change rien au gameplay. Une différence réside cependant dans le défilement de l'écran quand on a besoin de scroller. La mémoire écran du ST fonctionne à coup de 32 bits pour 8 pixels et d'ordinaire on fait défiler à coup de 16 pixels, c'est-à-dire 64 bits. Et ça paraît, alors que sur Amiga, on confie le scrolling au blitter. Du côté sonore, la différence est notable. La version Amiga conjugue à la fois la musique et les effets sonores digitalisés, cependant que sur ST, d'ordinaire, il faille choisir entre l'un et l'autre, parce que le canal de sons apériodiques ne peut pas être utilisé en même temps que les canaux de tonalité, quoique dans la version ST de Lemmings, les effets sonores soient générés par les canaux de tonalité. Avant de parler des autres versions, je vais prendre un moment pour approfondir l'adaptation ST. Le personnage du Lemming est un sprite qui mesure 8 par 8 pixels et qui comporte quand même plusieurs frames d'animation, non seulement pour marcher, mais aussi quand il accomplit des actions comme creuser ou escalader ou tomber. En termes de mémoire, un sprite de 8 par 8 pixels occupe 32 octets, mais on peut aussi avoir des sprites de 16 par 16 pixels, soit 128 octets. S'il y a 256 animations possibles, on est à 32 kilooctets de mémoire. Mais les lemmings peuvent aussi être orientés du côté adverse. Qui plus est, en jouant à deux, les couleurs des uniformes et des cheveux sont interchangées, ce qui nous amène à potentiellement 128 kilooctets de mémoire pour les animations des lemmings.
Aussi, il y a beaucoup d'autres animations pour les décors, sans compter la taille des niveaux qui excèdent souvent les 320 pixels dans le sens horizontal. Le jeu est donc, malgré lui, assez gourmand en termes de mémoire. Certes, on pouvait comprimer les images avec des algorithmes comme on le fait aujourd'hui, mais c'était surtout utile pour le stockage. Une disquette single-sided, je l'ai souvent dit, pouvait compter de 360 à 473 kilooctets. Une double-sided, quant à elle, de 720 à 946 kilooctets. Lemmings ayant été conçu pour rouler sur un 520 ST, vous comprendrez que le stockage pouvait être aussi problématique que la mémoire disponible pour l'exécution du code. Mais on était en 1991 et les développeurs et programmeurs avaient pas mal compris les rouages du ST à ce moment. Côté intelligence artificielle et programmation, les Lemmings avancent sur fond obscur. La définition des niveaux se fait principalement dans le background et le hit detection dépend tout simplement de la valeur du pixel qu'un Lemming heurte au niveau du background et non de l'écran physique. C'est pour cette raison que le joueur a une certaine liberté, comme creuser où il veut ou construire un escalier où il le souhaite. On aurait certes pu convenir d'un pattern pour dicter où les Lemmings peuvent aller, mais on ne peut pas savoir d'avance où ils vont creuser, par exemple. Et en ce sens, on laisse toute la latitude au joueur de transgresser les balises suggérées sans être imposé. C'est spéculatif, mais avoir codé le jeu moi-même, je ne me serais pas cassé la tête plus qu'il faut. Est-ce que la valeur du pixel dans la mémoire est supérieure à 0 ou inférieure à 1? À propos des différentes versions ou adaptations de Lemmings, commençons par celle de l'Amiga. Bien sûr, la comparaison peut sembler injuste considérant que le jeu ait été pensé pour l'Amiga. On a donc downgradé le jeu pour la version ST, surtout dans la perspective sonore. Si Lemmings avait été adapté pour le STE, celui-ci aurait accoté la version Amiga. La première version que j'ai vue du jeu et à laquelle j'ai joué était celle pour PC roulant sous DOS. C'était en 1993. Je venais d'acquérir mon DX2, je disposais d'une carte vidéo SVGA et d'une carte de son Soundblaster. Cette version a accote celle de l'Amiga, sauf dans une perspective sonore digitalisée. Dommage. Une version qui m'a surprise dans le mauvais sens a été celle conçue pour l'Amstrad CPC. Pas du tout on par avec les versions Amiga et ST, quand même colorée mais difficile à jouer considérant que la mire, ou crosshair en anglais, se contrôle avec la manette ou le clavier, cependant que la sélection des aptitudes attribuées aux Lemmings se fait via le clavier. C'est aussi d'une lenteur lamentable. Une autre version tout aussi lamentable, mais pour d'autres raisons, est celle du Commodore 64. La résolution dans le sens horizontal est réduite de moitié pour illustrer davantage de couleurs par cellule, ce qui est un nice touch, et l'on peut apprécier le rendu musical via la puce SID. Mais pour une raison que j'ignore, la taille illustrée pour chacun des niveaux est aussi réduite de moitié. Qui plus est, on note un ralentissement du framerate quand il y a beaucoup de Lemmings en même temps à l'écran. Enfin, comme pour la version Amstrad CPC, le jeu se joue avec la manette et le clavier. Le jeu existe aussi dans une version pour Acorn Archimedes, presque on par avec la version Amiga, autant dans les perspectives visuelles que sonores. Comme pour ma revue du jeu Swive il y a quelques semaines, la version Acorn cartonne. Je saute la version conçue pour la NES pour illustrer celle conçue pour la SNES. Sans surprise, celle-ci est un cran supérieur à celle de l'Amiga, en raison notamment des couleurs des icônes dans le menu qui se trouve au bas de l'écran, mais le jeu est quelque peu difficile à jouer parce qu'il n'y a pas de souris pour contrôler la mire, ça se contrôle avec la manette. Histoire de faire rivaliser deux consoles de la même génération, voici enfin l'adaptation pour la Genesis / Mega Drive. Bien que je préfère le visuel sur la SNES, je préfère la musique sur la Mega Drive. En termes de contrôle, cependant, ça n'est pas beaucoup mieux que la version SNES. Le jeu a manifestement été conçu pour être joué avec une souris. Il y a plein d'autres versions desquelles je pourrais parler. Si je ne le fais pas, ça n'est pas parce qu'il n'y eut rien à en dire, mais parce que je ne veux pas qu'on s'écarte trop du sujet de la présente capsule, c'est-à-dire parler de l'adaptation ST d'un jeu conçu pour l'Amiga.
le jeu a connu un tel succès qu'on a eu droit à des suites. Vu que Lemmings a d'abord été codé pour l'Amiga, je n'étais pas certain qu'on eût pris la peine d'adapter ses suites ou expansions, par exemple Oh No, More Lemmings, ainsi que Lemmings 2, The Tribes, avec de nouvelles habilités à attribuer aux Lemmings. De nouveau, dans ce dernier cas, la version Amiga l'emporte quelque peu sur la version ST dans les perspectives visuelles et sonores. Par exemple, le défilement est plus fluide dans la version Amiga, mais au moins pour la version ST, on emploie autant les canaux de tonalité que le canal de sons apériodiques. C'est seulement qu'on interrompt la musique quand vient le temps de faire entendre un effet sonore digitalisé. Excellente suite! On ne se contente pas de copier ce qui a précédé, on pousse plus loin, mais ça n'est plus un PUAP. Contrairement au film, c'est-à-dire au cinéma, je suis d'ordinaire enthousiaste quand on me propose une suite pour un jeu. Ça peut arriver qu'un volet ultérieur soit inférieur à un volet antérieur, mais habituellement, on innove et ou on pousse plus loin jusqu'à l'épuisement d'une franchise ou la dissolution de la société responsable de son développement. On peut certes finir par se lasser d'un type de jeu, ou d'un genre, ou de l'univers vidéoludique tout court. Il y a plusieurs raisons pour cela, et celles-ci dépendent des individus, peu importe le groupe d'âge. Et ça m'est arrivé. Vers l'âge de 20 ans, j'ai quelque peu délaissé la programmation informatique, et du coup, mon intérêt pour les jeux vidéo a périclité. Ça n'est que vers 2010 que j'y suis revenu, avec près de 2 décennies de retard sur ce qui s'était fait. C'est à ce moment que j'ai commencé à reconstruire ma bibliothèque de consoles et de jeux, et que j'ai exploré a posteriori tout ce qui avait ou était paru pendant ces années lors desquelles j'étais déconnecté. J'avais alors, bien sûr, une perspective différente de tout ce qui m'avait autrefois enchanté. Le photoréalisme des images des jeux, autant que leur ambiance sonore, n'était plus quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt quelque chose à quoi je pouvais m'attendre. Quoique, parfois, il y ait des jeux auxquels je peux à peine jouer ou rejouer tellement ils me font dresser les poils, même si c'est manifestement constitué d'images de synthèse. En termes de rejouabilité pour Lemmings, c'est certain qu'une fois qu'on connaît la solution à chacun des niveaux, ça peut sembler répétitif. Ce qui sauve le jeu original dans cet aspect, c'est d'une part sa longueur en termes de nombre de niveaux, les mots de passe qui permettent d'accéder à des niveaux spécifiques, ainsi que les 4 degrés de difficulté, à savoir Fun, Tricky, Taxing et Mayhem. Avoir mieux fait, j'aurais ajouté un éditeur de niveau, comme dans Loadrunner, ainsi qu'un mode aléatoire qui respecte aussi le degré de difficulté choisi. Il faudrait seulement que le programme s'assure que le niveau soit complétable d'au moins une manière. Autrement, puisqu'il y a eu des suites, comme j'ai souligné plus tôt, ça a donné l'occasion aux développeurs de pousser l'idée originale un peu plus loin. Je réitère que ce qui va faire le succès d'un jeu ne réside pas forcément dans les graphismes, l'ambiance sonore, la musique et le scénario. Une idée toute simple, sans scénario, avec des visuels de base et peu d'effets sonores, peut résulter en un jeu culte qui non seulement va engendrer des suites, mais aussi va en inspirer d'autres. C'était ma capsule du jour. Si vous avez apprécié, merci de me faire un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, de m'appuyer via Patreon si vous aimez ce que je fais et de me faire part dans les commentaires de votre appréciation de Lemmings, voire des jeux de stratégie et de puzzle de façon générale. Comme d'habitude, s'il y a des jeux dont vous aimeriez que je parle, faites-m'en part. Je suis Paul Godot de Foix. On se revoit bientôt.